أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى فإن خير زاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أطر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيب وأنفاسكم بأعلى أسواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بعجل فرج Depuis deux semaines, nous sommes en train de parler de la déclaration de notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Là où notre troisième imam a déclaré que j'ai eu les meilleurs des compagnons que ni mon prophète, ni mon père, ni mon frère n'a pu avoir. Mes compagnons, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes compagnons étaient les meilleurs. Et donc nous nous sommes dit ensemble que comme nous sommes en train de commémorer la tragédie de Karbala et nous passons les journées de deuil, posons-nous la question, si notre troisième imam a dit que ses compagnons étaient les meilleurs, comment nous aussi nous pouvons essayer d'être parmi les meilleurs? Et donc durant deux semaines, nous avons parlé de la maîtrise de la colère. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, quand il parle « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa kullum min al-akhyar » cela ou cela fait partie des meilleurs, nous avons parlé de dhul-kifl, quelqu'un qui était capable de maîtriser sa colère. Aujourd'hui, nous allons faire un pas, une autre qualité que nous apprend notre troisième imam et Karbala en général.
Et là aussi, il est toujours question d'être meilleur. Comment essayer de le devenir ? Quelles doivent être les vertus que nous devons avoir, les qualités que nous devons essayer d'avoir pour que nous puissions nous considérer comme les meilleurs et nous considérer comme des gens qui commémoreront avec fierté et loyauté la tragédie de Karbala, la tragédie de notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Et cette qualité, nous pouvons la voir au début de Karbala. Juste avant que Karbala ne commence, nous pouvons voir cela dans les actes, dans les faits historiques qui nous sont proposés. Karbala n'est même pas encore là. Et l'imam Hussein alayhi salam a mis en pratique cette qualité-là. Quand est-ce que cela s'est passé ? L'histoire nous relate que quand notre troisième imam, avec tous les membres de sa famille, sont sortis de la Mecque et sont dirigés vers Koufa. Et à Koufa, il y a une personnalité historique qui arrête la voie ou la route de notre troisième imam. Il s'agit de Hur. C'est celui-là qui arrête notre troisième imam à Koufa. Et il y a une anecdote que nous avons tous en tête. Il y a quelque chose qui se passe à Koufa. L'histoire nous relate que les gens de Hur sont assoiffés. Ils ont besoin de l'eau. C'est cette même personne, Hur, qui a arrêté l'imam Hussein alayhi salam. Et pourtant, l'imam Hussein alayhi salam nous montre que la personne qui m'arrête, c'est moi qui vais lui proposer de l'eau. Et donc l'histoire rentre dans les détails de quelle manière l'imam Hussein alayhi salam a proposé de l'eau à Hur, non seulement pas à Hur, mais aux gens qui accompagnaient Hur, non seulement les gens qui accompagnaient Hur, mais même aux animaux, aux montures de l'armée de Hur. L'imam Hussein al-Islam a donné même de l'eau aux animaux. Quelle est cette action ? Que nous apprend le début de Karbala ? Voyez-vous, dans le Saint-Coran, c'est une qualité que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il nous propose, en guise de parabole, en guise d'exemple, Nabiullah Isa alayhi salam. Et ce sont des versets qui vous sont connus. Mais c'est un tremplin pour le discours d'aujourd'hui. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Et n'oublions jamais que le sujet est comment être le meilleur. Et notre sujet aujourd'hui, essayer d'être le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans sourate Maryam, c'est le chapitre 19 du Saint-Coran. Et vous savez tous cette petite histoire. Quand Maryam alayhi salam a enfanté Nabiullah Isa alayhi salam, les gens de la communauté se sont demandé, mais comment se fait-il ? Comment peut-elle avoir un enfant ? Cette dame qui ne s'est jamais mariée. Et donc, les gens sont venus voir Maryam alayhi salam, ils lui ont dit, mais d'où te vient cet enfant ? Et donc, Maryam alayhi salam, chapitre 18, verset 19, non, 29, elle dit, « Fa'asharat ilay. » Maryam alayhi salam a fait un signe vers l'enfant. Les gens se sont dit, « Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi ?» Comment est-il possible de parler à un enfant, un nouveau-né qui est encore fil mahdi, dans le berceau? Et quand ils ont posé cette question, l'enfant s'est mis à parler. « Qala inni Abdullah atani al-kitab » Dans le berceau, Nabiullah Isa alayhi salam a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a donné un livre, ou le livre, et il m'a fait prophète. Juste là, non. Isa alayhi salam continue. Et il dit, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ. Non seulement je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il m'a donné un livre, non seulement je suis prophète, mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni où que je sois. Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni où que je sois. Et il m'a conseillé à salat et à zakat
jusqu'au moment où je vivrai. Et bien sûr, après, de quelle manière je dois me comporter avec ma mère, et ainsi de suite. Voyez-vous ce mot béni ? J'en ai parlé à divers moments dans mes discours. Que veut dire être béni ? Est-ce que vous vous en souvenez des discours, on les a faits hein, ici. C'est quoi ce béni ? Quand Nabiullah Isa alayhi salam dit « Waja'alani mubarakan aina ma kunt » Où que je sois, Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni, rempli de baraka. Que voulait dire ce béni ? Je porte bonheur aux autres. Porte bonheur aux autres ? Non, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, nous rapporte les paroles de Nabiullah Isa alayhi salam qui dit Waja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni où que je sois. Notre sixième imam nous dit Kalimatun mubarakan ta'ani naffa'an. Dieu m'a rendu béni, c'est-à-dire m'a rendu bénéfique aux autres. Celui qui est serviable, qui est capable de donner du profit aux autres. Naffa'an. Vous voyez, ça vient du mot nafa'a. Et en Gujarati, Urdubi, nafa'mi lega. Gujarati m'a prégolé, nafona mailo, faïda. Celui qui donne du faïda à quelqu'un d'autre. Et la question, elle est toujours là. L'imam Hussein, au début de Karbala, nous a montré au combien il a été bénéfique, au combien il a été profitable, non seulement aux humains, mais même aux animaux. Et donc, l'imam Hussein a déclaré, les gens que j'ai eus ont été les meilleurs. Lui-même, en étant le chef, nous montre que veut dire être meilleur. Et savez-vous qui nous répond pour être meilleur ? L'histoire nous relate qu'un de ces jours, un des compagnons de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vient voir le prophète. Il lui dit, Ya Rasulallah, uhibbu an akuna khayrun nas. Les frères qui comprennent l'arabe. Ya Rasulallah, uhibbu an akuna khayrun nas. Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'aimerais tellement être le meilleur des humains. J'aimerais tellement être le meilleur des humains. Khayrun nas, je voudrais être le meilleur des humains. Que dois-je faire, Ya Rasulallah ? Le prophète a répondu, Khayrun nas man nafa'a an-nas wa kun nafa'an lahum. La meilleure des personnalités, le meilleur des humains est celui qui donne du profit aux autres et donc profite de ta vie pour les autres. Wa kun nafa'an lahum. Toute ta vie, tu dois être bénéfique pour les autres. Quand on demande au prophète, je voudrais être le meilleur des humains, le meilleur d'entre les gens, le prophète lui dit, Khayrun nas man nafa'an nas. Il n'y a pas que cela. Nous avons une autre narration, là où notre prophète, encore, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète nous dit, Khislatan laysa fawqahuma shay'an min al-birr. Il y a deux qualités, deux symboles. Khuslatan laysa fawqahuma shay'an min al-birr. En tant que bonté, vertu, il n'y a pas supérieur à deux qualités. Al-imanu billah wa naf'u li'ibadillah. Voici les deux qualités les supérieures pour notre prophète. La foi à Allah subhanahu wa ta'ala wa naf'u li'ibadillah, et être bénéfique aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, être bénéfique pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez-vous ce mot créature, bien sûr il n'est pas dans le hadith. Les frères qui parlent arabe vont dire, cheikh, non, tu as mal traduit. Il n'y a pas le mot créature. Il y a quoi? Li'ibadillah. Mais je vais vous prouver qu'il y a le mot créature. Pourquoi? Troisième hadith. Encore, on vient voir le prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On vient voir le prophète, on lui demande, Ya Rasulallah, mal islam. Au prophète de Dieu, qu'est-ce que l'islam? Que répond le prophète? Encore deux mots. Encore deux phrases.
encore deux qualités. Ya Rasulallah, ma l'islam. Au prophète de Dieu, qu'est-ce que l'islam? Le prophète répond, At-ta'atu lillah wa shafaqatu li khalqillah. L'islam se résume en deux phrases. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la compassion envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est dedans. Les humains sont dedans, les animaux sont dedans, les roches, les rocs, les montagnes, les verdures, tout est dedans. Ash-shafaqatu li khalqillah. Chers frères, Hussein alayhi salam a mérité les meilleurs des compagnons. Lui-même a montré avant Karbala ô combien Hussein était bénéfique aux autres. Et donc si moi je voudrais être parmi les meilleurs, je dois me poser cette question. Combien suis-je bénéfique aux autres? Combien de fois nous avons discuté de ce sujet-là? Et moi en tant qu'humain, j'attends toujours de l'autre que ce soit lui qui me serve. Que ce soit lui qui me rend service, que ce soit lui qui me soit bénéfique, que ce soit lui qui me soit profitable. Mais je n'essaie jamais d'être celui qui est lui-même profitable aux autres, lui-même qui sert les autres, lui-même qui est serviable, lui-même qui rend service aux autres. Et pourtant, quand on vient demander à notre prophète, et on lui demande, je voudrais être le meilleur des gens, le prophète lui dit, tu dois être celui qui est capable de servir les autres. Bien. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi tant de vertus dans cette action? Dans le fait d'être profitable aux autres? Pourquoi tant de vertus dans l'islam? Pourquoi tant d'éloges dans l'islam? Je vais vous citer les narrations. Comme on est là, citons-le. Ya Allah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit Man sa'a ila hajati akhihi al-mu'min kas-sa'i bayna as-safa wal-marwa. As-sa'i, celui qui fait des efforts pour rendre service à son frère, il a les mêmes récompenses que celui qui fait les va-et-vient entre Safa et Marwa. Vous vous rendez compte, sans aller en Arabie Saoudite, sans voir la Kaaba, sans voir ces lieux saints, sans y pénétrer, sans ihram en plus. C'est compliqué l'ihram, hein? Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'un séjour, inshallah, nous tous nous y allons, même les maîtres prises. Mais c'est un grand problème l'ihram. Les gens rigolent qui sont déjà allés, et on vous le souhaite, inshallah. Sans ihram. Le prophète dit, si tu rends service à ton prochain, c'est comme si tu avais sa'i bayna as-safa wal marwa. Pourquoi tant de vertus? Les réponses sont multiples. Mais je me dis, il y a peut-être une réponse, car le fait d'être bénéfique, profitable à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô ibadullah, est une des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'humain est capable, on va dire de photocopier les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah subhanahu wa ta'ala l'élève au rang des awliya Allah. Voilà pourquoi le prophète a dit takhallaqu bi akhlaqillah. Essayez d'acquérir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Ils étaient là, voilà, ils sont là. Regardez derrière un petit peu, derrière vous, les gens qui sont d'ici. Vous voyez là, la plaque. Les 100 ou 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir et lire dedans. Allah subhanahu wa ta'ala est karim, généreux. Allah subhanahu wa ta'ala est jawad, encore généreux, plus que généreux. Il est razzaq, c'est celui qui donne la subsistance. Il est latif, il est raouf, il est rahim, il est rahman. Et ainsi de suite. Il n'y a que bonté, 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 bonté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète nous dit, essayez d'acquérir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi dans l'islam, quand je suis capable d'être bénéfique pour les autres, comme Nabiullah Isa, « Waja'alani mubarakan aynama kunt » Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni où que je sois, et bien Allah subhanahu wa ta'ala aime cette qualité-là.
Et quand nous mettons en œuvre ces qualités, c'est-à-dire le fait d'aider son prochain, être profitable à son prochain, ou être serviable, Allah subhanahu wa ta'ala le rendra avec sa miséricorde. Voilà pourquoi, ça c'est ma phrase, c'est pas Allah, ça c'est ma phrase. Voilà pourquoi, très humblement, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose une question. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 245. Je me demande de quelle manière traduire cette phrase, même si nous avons les traductions multiples. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana, fayudha'ifu lahu ad'afan, kathira. Quiconque parmi vous, man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana, wa yuqardi hasan. Je vais un petit peu parler en Gujarati, d'accord, parce que là aussi il y a une mauvaise notion. Kokne kai paisa tame apo, etle apriya kevat ane manyata chhe ke kem chhe, pacha devana chhe ke karze hasana chhe. Karze hasana apni nazar ma em chhe ke aave to thik ne na aave to vadhare thik. Pono karze hasana c'est quoi? Ça va plus revenir. Si tu as les moyens, tu me les rends. Si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Qardi hasana. La question qui se pose, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, utilise ces termes-là. Quiconque prête à Allah subhanahu wa ta'ala de grâce. Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de moi. Lui qui est le maître de la subsistance. Lui qui donne à tout le monde. Pourquoi ce verset dans le Saint-Coran? Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Quiconque prête de grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel sera le résultat? Yuda'ifu lahu ad'afan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala le lui rendra plusieurs fois et en multipliant. Voyez-vous qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire? Que tout ce que je vous ai donné, tout cela n'est pas pour vous. Vous devez acquérir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu vous les rendra. Comment approcher cet exemple? Aujourd'hui, j'ai lu un article et un érudit nous explique comment bien traduire ce verset. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana, quiconque de grâce prête à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala en retour le lui rendra plusieurs fois et même multiplié. L'exemple parfait pour expliquer ce verset est simple. C'est un père de famille qui donne à un de ses enfants quelque chose, des bonbons, des glaces, n'importe quoi. Et qui lui dit, mon fils ou ma fille, voici des bonbons, voici des glaces, ou voici des jouets, tu les partages parmi tes frères. Tu leur en donnes aussi, hein? C'est des bonbons, mais c'est pour tout le monde. Voyez-vous, quand un père de famille propose cela à son enfant, et quand cet enfant a cette qualité, le fait d'aller donner des bonbons ou de partager ce qui lui avait été donné par son père, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, de la même manière, ce père-là est encore plus envieux de ce fils ou de cette fille. Il lui prête beaucoup plus d'amour. Pourquoi? Parce qu'il a partagé ce qui lui avait été donné. J'en parle souvent. Les gens qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas se donner. Dans mes anciens discours, vous vous souvenez, ce sont des phrases que j'avais utilisées. Peut-être, je n'ai pas un bon travail. Peut-être mes poches ne sont pas chaudes ou pleines. Peut-être je n'ai pas les moyens d'être bénéfique à moi, aux gens. Mais il y a une chose dans mes discours, je le dis, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné équitablement. Tout le monde a la même chose. Vous vous souvenez de ce corps? C'est quoi? Nous avons tous la même chose. Je ne parle pas du nez, de la tête, des yeux, des mains, des pieds. Quoi? Le cerveau, là aussi, il y en a qui sont intelligents, qui sont moins intelligents.
Le temps. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tout le monde le même temps. 24 heures, chaque heure 60 minutes, chaque minute 60 secondes. Tout le monde a la même chose. Et donc, être bénéfique aux gens, pour être parmi les meilleurs, je dois être capable de rendre service. Voilà pourquoi Nahjul Balagha, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Notre premier imam Nahjul Balagha nous dit Inna lillahi ibadan iqtassahum bin ni'am li manafi'in nas. Allah subhanahu wa ta'ala Inna lillahi ibadan iqtassahum. Allah les a réservés. Ce sont des gens qui ont été réservés par Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé, a donné ses bienfaits, pour qu'avec ces bienfaits, ces mêmes gens soient quoi ? Nafa'an linnas. Et l'imam alayhi salam continue après. Si ces gens-là ne partagent pas ce qui leur a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va les retirer. Ce qui lui a été donné va être retiré. Chers frères, Karbala nous enseigne. À Karbala, tous ont été les meilleurs parmi les meilleurs. Et l'imam Hussein alayhi salam, avant que ne débute Karbala, nous a montré que veut dire être meilleur. Et donc nous avons cité au début du discours, pour les retardataires bien sûr, que Karbala n'est pas encore commencé, quand Hur, alayhi salam, bien sûr, arrête l'imam Hussein, alayhi salam. Hussein, alayhi salam, donne de l'eau à Hur, à son armée, et aux montures, aux animaux de l'armée de Hur. Nafa'an. Nabiul Isa a dit, « Waja'alani mubarakan aynama kunt. » Sixième imam a traduit, « Être mubarak, être béni, nafa'an. » Chers frères, cette qualité est facile d'en parler dans un discours comme je le fais aujourd'hui. Mais la solution extrême n'est autre que se poser la question. Voilà. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Combien suis-je serviable? Combien j'aide les gens? Voyez-vous, j'ai beaucoup de narrations, mais ça y est, nous sommes à 27, 28 minutes, il me reste 2 minutes. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Juste une narration, une narration. Le prophète a dit le jour du jugement, quand les gens vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va demander, qu'as-tu fait dans ce bas monde? L'être heureux va répondre, « Ya Rasul, Ya Allah, je n'ai fait rien, rien d'autre qu'une seule action. Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'avais l'intention d'être bénéfique aux autres. » J'avais juste l'intention d'aider quelqu'un. Avec cette intention-là, si j'arrivais à l'aider, tant mieux. Et il m'arrivait des fois de ne pas arriver à ma fin. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, tu avais juste l'intention d'aider quelqu'un, le paradis est pour toi. Juste avoir l'intention. Alors, qu'en est-il si je suis quelqu'un qui attend tout le temps des autres? Je vais prendre des exemples à moi, comme il me reste voilà, une minute. J'ai des problèmes chez moi, mon pneu est crevé. Je m'attends, je suis chèque, peut-être en passant quelqu'un va passer là et dire, ah chèque, ah votre pneu est crevé, il va m'aider. J'attends toujours que les autres m'aident. Moi, je n'ai jamais le réflexe de dire, tiens, moi, je vais aider. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Koufa, Koufa, dans la chaleur de Koufa. Après salat al-dhuhr, notre premier imam sort dans les ruelles de Koufa. Et quelqu'un comme moi vient nous dire, « Ya Amir al-Mu'mini, vous ne voulez pas vous reposer un peu, la sieste ?»
Le marché est vide. L'imam Ali se tient debout. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faites là? L'imam Ali dit, j'attends si quelqu'un a besoin de moi. Voyez-vous, Nabiullah Ibrahim alayhi salam attendait dans le désert pour qu'il y ait des invités chez lui. L'imam Ali alayhi salam dans le désert, dirons-nous toujours, dans l'autre temps, c'était un désert, il y avait combien de maisons à Koufa? Il sort dans les ruelles de Koufa et il attend dans un coin. Et les gens peut-être se disent, mais lui il n'a rien à faire, chômeur de luxe. Non. Il attend l'occasion pour qu'il soit capable d'aider quelqu'un. Voilà pourquoi, avant quelques jours, nous avons commémoré le martyr de notre quatrième imam, l'imam Zainul Abidin Sayyid Sajidin. Sa'ifatu Sajjadiyya, l'imam Sajjadi. Allahumma ajri alayya yadayya al-khayra limnas. Oh mon Dieu, fais en sorte que la bonté pour les autres passe par ma main. Que je sois moi l'intermédiaire qui aide tout le monde. Tout le monde passe par moi. Problème de couple, Cheikh Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Achat de voiture, Cheikh Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Achat de téléphone, Cheikh Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Achat de choix de femme, Cheikh Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Quelle madrasa aller, Cheikh Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Quelle étude dois-je faire, Cheikh Moïse? Tout doit passer par moi. Si je suis capable de le faire, Inch'Allah wa ta'ala, je serai parmi les gens qui ont été à Karbala. Car Hussein alayhi salam a dit, les meilleurs compagnons que j'ai eus ont été les meilleurs de les meilleurs. Chers frères, cette qualité n'est pas facile. Ne jamais attendre que l'autre m'aide. Toujours être celui qui veut aider les autres. Être Moubarak, rempli de baraka. Pas le baraka de la rue. Hein? Baraka, 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 pour nous, c'est toujours remplir les poches, remplir la banque, remplir la maison, beaucoup d'enfants. Hein? Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce n'est pas de ce baraka-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Le baraka pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est être bénéfique. هذا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد